Salam alaikum, Ustad. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Vous voyez où avec notre Dawa dans 5 ou 10 ans? Allahu a'lam. Je sais pas si je serai toujours là. Je sais pas si vous serez toujours là. Je sais pas si ceux qui regardent la vidéo seront toujours là. Allahu a'lam. En tout cas, ce que j'espère, c'est que nous serons fidèles à notre patrie, nous serons fidèles à notre Seigneur, nous serons fidèles à notre message, à nos valeurs. C'est ce que j'espère. J'espère que dans 5 ans ou 10 ans, nous serons un groupe qui apporte à la société, qui n'est pas juste en train de consommer les biens de la société, mais qui est un acteur de la société. J'espère que nous serons des exemples, des modèles, que nous aurons réussi à convaincre avec notre cœur et notre comportement des centaines de personnes d'adhérer à nos valeurs et à nos principes. J'espère que nous serons tout simplement un mouvement qui est respecté, admiré, observé dans le bon sens du terme. J'espère que nous n'aurons pas fait de dégâts, que nous n'aurons pas détruit des personnalités ou des individus, que nous n'aurons pas causé de problèmes à la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous nous épanouissons. J'espère que nous serons des acteurs de l'islam en France. Que nous serons des personnes, quand je dis des acteurs de l'islam en France, pas dans le sens politique du terme, mais dans le sens que nous serons des croyants qui tout simplement sont en train d'être épanouis dans leur spiritualité, dans leur vie, dans leur citoyenneté, que nous serons proches d'Allah Azzawajal, de sorte que nos invocations soient acceptées, que nous puissions prier pour les âmes, que nous puissions prier pour nous-mêmes. Prier pour celles et ceux qui nous entourent, tout simplement. Ensuite, il y a des rêves, forcément. Dans 10 ans, c'est le rêve de vous voir, toi, eux, les différents garçons, avec leur famille, épanouis dans leur travail, dans leur corps. C'est tout ça. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Bi-idhnillah. Merci, Ustad. Je t'en prie.